Ah, il fait chaud, pardon. Hein? Mais alors, moi, ça va pas, moi, ça va poser, non? Non, moi, je dois rentrer. En fait, tu rentres comment? Tu n'aimes pas durer? On a quelque chose à faire? j'ai oublié mon chargeur, ma batterie. Après, il faut que je rentre à la maison. Mais si c'est pour le chargeur, c'est pas un problème. Mon Dieu! Tu choisis le chargeur et puis on fait ce qu'on a à faire. Choisis le sable. Non, c'est même bon. Même, je vais changer après. J'ai oublié. En fait, je dois rentrer parce qu'il y a maman qui est malade, en fait. Ta mère est malade. Oui, elle se sent pas trop bien. Donc, il faut que je rentre. Oh là là! On finit d'abord ce qu'on doit faire. Après, tu peux. Mais est-ce que moi, je t'ai dit que c'était une maladie de péché des blancs, là? C'est un point mystique? Ah non, ça fait non, tu non, là, il faut que non, je vais aller chez un service. Oui, ma chérie. Le service est satisfait ou satisfait? Fais un peu vite la gêne, je suis le client. C'est tout. C'est plus d'affection, des blocages, envoûtement, tout ce que tu veux, j'y règle. Blocage, santé, j'y règle. Maman, quoi? Mais toi, tu as quel problème? De quoi c'est? Je te dis, ma mère a un problème mystique. Toi, tu m'emmènes des gens qui changent même pas. Je sais demander ça. Mais c'est ton, c'est pour toi, que personnel, justement, c'est tes problèmes. Mais il peut régler le problème. Ah, pardon. Moi, je n'aime pas, c'est ça qui m'énerve avec toi. Toi, tu es en train de m'énerver là. Bref, il faut que je me rappelle qu'il y a papa qui m'a dit qu'il a un problème avec ça. Lui, il a besoin de tout le vis et lui faire assouder. Donc, il faut que j'aille marcher avec récupérer ça. Non, mais tu n'as pas besoin de partir là-bas pour ça. Je vais faire ça maintenant. Mon père va réparer ça. Si tu as besoin de faire assouder, c'est là. Tu as besoin de papa le faire assouder là. Avec le tout le vis. Tu n'as pas besoin de partir là pour acheter ça. Fais avoir les matchs. Quand tu déposes ça maintenant, il n'y a pas les temps. Il va faire comment? Les temps là? Ouais, les temps. Seigneur, qu'est-ce que je peux créer pour me débarrasser de l'enfant? Oh non, ça. Ma chérie, annoncez-moi. On fait un big match et puis tu pars. Pourquoi tu veux trop réfléchir? Enfin, depuis que je voulais te parler, normalement, même. Je voulais te parler. De quoi encore? Je ne sens plus la relation. Comment ça? Je ne sens plus la relation, je ne sens plus la relation. Toi, je te trouve un peu trop dur. Moi, là, depuis un moment, là, j'ai maintenant un style. Je suis attirée, j'ai un goût particulier pour les hommes qui sont efféminés. Parce que je trouve que eux, avec eux, l'amour, c'est un peu plus doux. Parce qu'ils sont tendres, ils sont attentionnés. Toi, tout c'est la force avec toi. Moi, ça me stresse. Moi, je suis fatiguée d'être stressée. Donc, moi, ma nouvelle gamme, là, c'est la gamme des hommes efféminés. Jésus. Ma chérie. Si tu veux les hommes efféminés, moi d'abord de base, je suis la féminité en siècle, tu comprends? Jésus! Moi, c'est la douceur, ma coupe. Parce que moi, de base, j'ai ça dans le sang. Hein? Donc, si tu cherches un homme efféminé, maman, tu l'as. Tu l'as, oh, l'homme là, tu l'as. C'est bon. Hein? C'est bon quand même, pardon. Hein? Allons, c'est bon. Allons, c'est bon. Allons. C'est bon. Attends, j'arrive. Touché!